Le programme de renouvellement du parc automoteur de la SNCF, élaboré au lendemain de la guerre, prévoit la construction d'un autorail unifié de 300 chevaux, apte à assurer toutes sortes de services sur distance moyenne dans la lignée DVH et ABJ Renault. Ainsi naît la série d'autorails SNCF X3800. La caisse autoportante comporte un seul poste de conduite, aménagé dans un kiosque surélevé, un fourgon, une toilette et deux salles voyageurs encadrant une plateforme d'accès à porte roulante. Ces engins ont été largement décrits dans le film numéro 2 de la collection Loco Vidéo. Aujourd'hui, nous proposons aux amateurs un film souvenir d'images d'archives. Elles ont été principalement tournées par Georges Fougère, un passionné des autorails 300 chevaux de la SNCF. Georges accompagne maintenant un Picasso jusqu'à Elbeuf. Cette desserte est la dernière assurée par des X3800 de Sotteville jusqu'à la fin de l'année 1986. Terminus de notre voyage en gare de Joinville, où l'autorail manœuvre avant de repartir vers Saint-Dizier. La gare de bifurcation de Lacluse, avec des trains qui s'élancent dans trois directions, offre aux amateurs une animation particulière. Toujours à Santenay, un 3800 se dirige vers Montchanin, laissant vers la droite la ligne vers Épinac et Autun. Nous voici à Autun. Un Picasso arrive d'Étang et va manœuvrer pour former un jumelage avec le 3942. Thank you.
la gare de Cravant-Bazarne au sud d'Auxerre et sa bifurcation sont l'occasion de multiples manœuvres. Les autorails arrivant d'Avallon et Clamecy se rejoignent pour s'élancer ensemble vers Auxerre, puis la Roche-Migène.